Semaine dernière, mais dans l'implication et dans la volonté des mecs, j'avais pas, paradoxalement, pas grand chose à leur reprocher parce que je vois ce qu'ils abattent comme travail la semaine et Nancy était inexplicable. Donc j'ai été joueur, je sais que ça arrive de temps en temps. Aujourd'hui, on avait vraiment la volonté d'essayer de faire comprendre aux gens que c'était un accident. Thank you.
Une pensée particulière pour tout le football alsacien, puisque tout le foot alsacien s'est donné rendez-vous ce soir du côté du stade de la grande famille des partenaires du Racing Club de Strasbourg qui vont ensemble en compagnie de Christophe. Thank you.
respect pour tous les gens qui nous suivent depuis 18 mois, qui font tellement de sacrifices pour nous. Tant qu'on ne nous prouvera pas mathématiquement que c'est fini, on ne lâchera pas. Voilà, c'est la seule promesse que je fais à tout le monde et les joueurs ne lâcheront pas. Thank you.
si la victoire n'était pas là. L'essentiel, c'est de pouvoir participer à la finale, à la semaine prochaine à Raon. On était dans l'obligation de gagner si Raon gagnait, ils l'ont fait. Donc voilà, qu'on fasse match nul là et qu'on gagne la semaine prochaine, c'est mieux que de gagner aujourd'hui et de faire match nul la semaine prochaine. J'ai envie de féliciter les joueurs parce que il y a, je sais pas combien de temps, il y a un mois et demi, peut-être ou deux, on perd contre nous un 4-0 et à ce moment-là, la nuit blanche n'enlevait pas la réalité, on était out du championnat. Et puis aujourd'hui, grâce à eux, on a le droit à une petite chance de jouer une petite finale la semaine prochaine à Raon. Donc on va y aller dans nos petits souliers. Ils ont deux ou trois points d'avance. Donc il n'y a qu'une victoire qui pourra inverser le championnat. Tout le monde pense qu'ils méritent probablement de finir premier vu qu'ils ont été premiers longtemps. Et nous, on y va humblement avec... on ne sait jamais. Dans le foot, il y a parfois des retournements tellement incroyables qu'on va jouer notre petite chance à fond, mais on va la jouer à fond parce que les joueurs ont mérité de la décrocher. Alors, félicitations à eux.
permettre de vider le stade pour rester bien en place ce soir. National, on va bien se reposer et attaquer le championnat, mais ce qu'on a maintenant, c'est exceptionnel. Merci à tout le monde. Yeah!